bonsoir, bon après-midi, chers amis de la presse, bienvenue pour nos press briefings sur le COVID-19 du National Communication Committee et du Prime Minister's Office. Mon petit Feli, nous guettons un peu la situation de la pandémie dans le monde. Comment je vais suivre dans l'actualité internationale, nous connaissons que l'épidémie peut flamber dans plusieurs parties dans le monde, surtout en Europe, qui a pris une mesure drastique. Et le nombre de cas dans le monde est à 48 454 224 à ce jour, 5 novembre. Et le nombre de décès finit arrive à 1 231 821. La France, la situation plus qu'inquiétante, il mine à l'augmente. Donc 1 543 321 cas positifs avec 38 674 décès. La France qui finirait en confinement et côté bonne mesure peut prendre pour qui casse la progression de la transmission du virus. Et donc depuis quelques jours, la France confinée, Bandimoun n'est plus gain droit, saute que Dieu sans aucune raison valable. Et c'est une nouvelle phase de lutte contre le virus que nous pouvons trouver, nous pouvons observer en Europe. L'Angleterre a en confinement depuis aujourd'hui. Donc en Angleterre, 1 099 cas positifs avec 47 742 décès. Donc c'est deux pays qui inquiètent nous beaucoup à Maurice, puisque, comme nous tous connaissons, nous n'avons beaucoup de compatriotes qui vivent en Angleterre et en France, et nous avons aussi beaucoup d'étudiants mauriciens qui vivent dans ces pays. Donc la situation au niveau du gouvernement, nous pouvons suivre ça de très très près et nous faire appel à nos compatriotes qui vivent dans ces pays-là d'observer les règles d'isolement, de confinement qui peut prescrire par la loi, observe ça à la lettre dans l'intérêt général. Les États-Unis, l'épidémie peut continuer à progresser, presque 10 millions de cas, donc 9 801 971 cas positifs, avec le nombre de décès qui finit progresser encore, 239 842 personnes finissent décédées aux États-Unis à cause du COVID-19. Dans l'océan Indien, la Réunion, il dépasse 6 037 cas positifs à la Réunion et avec 26 décès malheureusement dans la semaine qui finit écoulée, finit quelques décès de plus. Seychelles, 157 cas positifs, 0 décès. Madagascar, 17 111 cas avec 244 décès. Les Comores, 554 cas positifs avec 7 décès. Mayotte, 4 550 et 45 décès. Chez nous, à Maurice, aujourd'hui, pas de nouveaux cas. Et laisse-moi récapituler un petit peu la semaine, puisque la dernière press briefing qui nous fait faire du National Communication Committee, c'était jeudi dernier. Donc, sur la semaine qui finit écoulée, nous faisons gagner 11 cas positifs sur une semaine. Donc, tout ce cas-là, c'est 20 cas importés, bien sûr. Donc, ce qui amène nous à un total de 453 cas positifs à Maurice à ce jour, avec 26 cas actifs, 26 personnes hospitalisées à l'hôpital INT. Dans ces 26 personnes qui sont hospitalisées à l'hôpital INT, là, nous avons 8 Mauriciens, un Sud-Africain, 16 Indiens et un ressortissant du Bangladesh. Donc, je répète, 453 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et depuis le 26 avril, quand nous avons gagné le dernier cas de transmission locale, depuis ça, au 26 avril, nous avons 332 cas le jour de quand nous avons le dernier cas positif à Maurice. Et depuis ça, donc, nous avons et il y a 121 cas qui nous comptent comme cas importés.
Donc 121 cas importés depuis le 26 avril. En comptant les 332 qui nous connaissent avant le 26 avril, ça fait nous 453 cas positifs, 26 cas actifs. Et avec le décompte qui m'a fini d'une suite, en termes de nationalité de 20 personnes qui sont admises à l'hôpital INT. La semaine dernière, comme on dit intervenir, nous tenons un patient dont sur l'état est assez inquiétant, qui a un problème respiratoire et une atteinte pulmonaire du virus qui est authentifié par scanner. Heureusement, sa patiente-là, sur l'état, finit amélioré pendant la semaine. Et nous sommes capables de dire qu'il est toujours hospitalisé et il n'est plus trop inquiétant puisque sur l'état finit amélioré. Par contre, nous avons un deuxième patient qui commence à présenter des signes d'atteinte respiratoire et nous peut suivre de près. Donc, à ce jour, donc, dans sa 26 cas, actif qui nous est là, il y a deux patients qui nous peuvent suivre de très près, N dont nous sommes très optimistes qui se l'état il finit comment s'améliorer mais le tel là nous peut suivre lui de près. Nous sommes en quarantaine dans une bande de tel de quarantaine à ce jour nous sommes 1514 personnes et nous avons 25 centres de quarantaine qui peuvent opérer. En termes de réservation sur le site de la MTPA depuis le début qui nous finit depuis le 1er octobre qui nous finit commence au pays avant le vol commercial nous finit 4062 réservations totalisant 5324 personnes et 58% de ces personnes qui finissent réservées là c'est ban mauricien et 42% c'est ban étranger. En termes de nombre de cas positifs depuis la phase commerciale, donc depuis qu'il ne peut opérer ban phase ban vol commercial depuis le 1er octobre, en fait, nous dire le 1er octobre nous commençons à opérer ban vol commercial, mais c'est bon, le premier vol commercial fin vini le 3 octobre. Et depuis ça nous fin gain dans le nombre de passagers qui finit atterrir, nous finissons gagner 37 cas positifs. Donc sur le mois d'octobre, nous gagnons 37 cas positifs. En dehors de ces chiffres qui m'ont fini communiquer sur l'état de l'épidémie, la situation de la maladie à Maurice, donc je me rappelle, depuis le 26 avril, nous n'avons pas fini non, aucun cas de transmission locale, donc nous considérons le pays comme toujours COVID safe, mais le virus est présent sur les territoires puisque il est dans l'hôpital INT et nous toujours peut accueillir des gens qui peut se retrouver dans les autres pays. Donc c'est pour ça qu'il est très important qu'il nous continue à maintenir une précaution d'usage qui nous fait apprendre depuis le début de la maladie, dans les mesures barrières, dans les mesures d'hygiène. Et bien sûr, le port du masque en public. Maintenant, sur la semaine qui finit écoulée, deux incidents qui finissent produire, qui nous viennent signaler, et une personne qui finit sauvée depuis dans sa quarantaine, qui finit sortie à quatre bornes, une cabin crew de Air Mauritius qui lit finit. Casse les règles de confinement, donc auto-isolation qui nous prescrit après qu'il ban cabin crew ou permanent vol et malheureusement le décès d'un bébé qui subit une malformation, qui tient une malformation cardiaque dans une quarantaine. Donc moi je passe la parole au docteur Catherine Gou qui vous détaille ça trois éléments là et après bien sûr nous ouvrons une question. Okay. Merci, docteur. Merci, docteur Jomaï. Alors, donc je vais vous parler des cas un peu particuliers. Tout d'abord, effectivement, il y a quelqu'un qui était dans un hôtel à quatre bornes en quarantaine, qui en était à son J7, avec un test négatif, heureusement, J7.
et qui est sorti de sa quarantaine. Il a attendu que la ronde des soignants et des hôteliers qui passent régulièrement à des heures différentes vienne juste de passer. Là, il est allé s'adresser au policier et il lui a raconté qu'il était un attendant. De façon absolument incroyable, le policier l'a laissé passer. Et cette personne est revenue spontanément au bout de 1h40. Donc, il s'est promené dans quatre bornes 1h40. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait parce que, contrairement à l'obligation, il n'a pas souhaité dire qui il avait rencontré. Donc, deuxième délit. Et le policier, au bout de 1h30 à peu près, a eu un doute. Il est allé voir le médecin de quarantaine et il lui a demandé si cette personne était bien un attendant. Et c'est comme ça que nous avons découvert cette problématique. Donc cette personne a commis une offense extrêmement grave. Il est maintenant à son J14 aujourd'hui. On attend le résultat de son test PCR. Mais on l'a mis au detention center de Vaqua. Après, c'est quelqu'un qui a de lourds antécédents avec la police. Et c'est quelqu'un qui a vomi ou s'est fait vomir dans le detention center. Donc, on a été forcé de le mettre dans la salle d'isolation de l'hôpital de Victoria. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire de ce monsieur. Donc, il va bien sûr ensuite poursuivre, après sa période de quarantaine, son séjour en incarcération. La police va s'occuper de lui après que la santé se soit occupée de lui. Donc ça, c'est notre premier cas de rupture de quarantaine. Ensuite, nous avons un deuxième cas qui est un steward d'Air Mauritius qui est rentré de Paris le 11 octobre et qui est reparti sur Mumbai à la fin du mois d'octobre et qui a ensuite est rentré au pays. Donc ce monsieur, suite à des problématiques familiales, a été dénoncé comme ayant été dans différents endroits, ayant emmené ses enfants à l'école, ayant été à l'hôpital de Flac pour justement une symptomatologie, un peu de fièvre et puis des problèmes d'audition. Et il y avait aussi allégué qu'il était allé chez l'orthodontiste. Enfin voilà, il y avait différentes choses. Donc, nous avons vérifié avec la santé, évidemment, si c'était vrai ou pas. Lui, spontanément, a reconnu qu'il avait emmené ses enfants à l'école, mais il avait juste ouvert la porte. Enfin bon, il n'avait évidemment pas du tout le droit de faire ça. Et il s'est effectivement rendu à l'hôpital de Flac plutôt que de faire ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire appeler la hotline et signaler qu'il était malade, ne surtout pas sortir de chez lui. Donc lui, pour l'instant, lorsqu'on a su ça, on est allé chercher, il venait d'arriver de Mumbai, il est mis actuellement en quarantaine, il va faire sa quarantaine et après il va répondre de ses actes auprès de la justice et avec la police. Enfin, effectivement, il y a un petit bébé qui avait été envoyé en Inde pour une grosse malformation cardiaque, donc très très petit, hein, quasiment à sa naissance. Ce bébé, malheureusement, a été récusé, étant donné la gravité de sa situation cardiaque, par les chirurgiens indiens qui l'ont renvoyé en disant que malheureusement, on ne pouvait rien faire pour lui. Avec ses parents, cet enfant, bien sûr, étant donné sa gravité, il avait des traitements, il avait de l'oxygène, il avait des perfusions. Il est allé à l'hôpital de Souillac où il a été surveillé par un pédiatre, une nurse de pédiatrie. La maman a eu un problème de santé, a dû être hospitalisée ensuite, mais ça n'avait rien à voir avec la Covid. Bon, ce petit bébé, 2 jours avant la fin de la quarantaine, est décédé. On a pu faire en sorte que sa maman revienne auprès de son enfant pour le décès. Les parents ont été formidables et on a pu, en ayant beaucoup anticipé, organiser l'enterrement, etc. Je crois que ça s'est bien passé. Voilà, alors j'ai entendu des bruits comme quoi un bébé avec la Covid était décédé en quarantaine, donc ce bébé était négatif, ses parents sont aussi négatifs, et pas du tout la Covid, personne n'est contaminé ou n'était contaminé dans cette famille, simplement oui, cet enfant était en quarantaine, son décès était attendu, et les parents y étaient préparés, même si on n'est jamais vraiment préparé à ce genre de choses. Donc voilà pour ces trois cas, pour bien rétablir la vérité de ce qui s'est passé. Voilà. Merci, docteur Chouaï. Merci, docteur Beau, et on passe à la Enfin, entre les bonne deux, alors. question éventuellement, si et non. Ben, les deux personnes qui font le bridge,
Vous êtes risqué, d'abord la police pour faire l'enquête et pour l'infini admettre un délit. Deuxième là, nous délit en flagrant délit. Premier là, c'est-à-dire celui qui finit sauver depuis dans la quarantaine là, il besoin amener detention center, bien sûr, la police pour faire. Vous mettez une chance provisoire au lit et puis prenez la justice pour suivre ce cours selon les provisions du Quarantine Act. Deuxième personne, enfreint les protocoles établis par le ministère de la Santé et à Mauritius. Donc bien sûr, pour la conséquence pour lui, en termes légal, déjà la police prend une action. Et bien sûr, pressé à Yamanpichos de voir si on a une sanction disciplinaire. Ça, c'est au niveau de la compagnie qui se bougette, qui sanction pour prendre compte. Mais dans le premier cas de cette de 4 bols, qui vient sortir pendant 1h40, donc les vestiaires qui viennent. Oui. Non, on n'a pas pu le faire parce que effectivement, contrairement à ce qu'oblige la loi, il n'a pas voulu dire qui il avait rencontré. Après, on n'est pas inquiet du tout puisque J14 il est négatif, donc voilà, on n'est pas inquiet. Il n'a rien fait à J7, il était négatif, mais s'il avait été positif, ça aurait pu être une catastrophe. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de rappeler à la population que oui, on est Covid safe, mais qu'on n'est pas à l'abri d'initiatives individuelles des uns et des autres pour faire des bêtises, et que donc il faut continuer à se protéger, il ne faut pas être celui par lequel le virus va entrer dans la communauté. Donc quand on dit de mettre les masques correctement, de garder les distances sociales, de se sanitiser les mains, de faire attention, c'est parce qu'on a des raisons de le dire. C'est que on accueille quand même des gens qui viennent de l'étranger. Et si quelqu'un commet une erreur, si les gens respectent les protocoles parfaitement, ça c'est sûr qu'il n'y a aucun risque. Mais il y a des gens qui ne respectent pas les protocoles. On a beau les surveiller, et Dieu sait qu'on a mis toutes sortes de systèmes en place, mais vous voyez, là, dans cette quarantaine, on a beau faire des rondes régulièrement pour voir si tout le monde est bien dans sa chambre, s'il n'y a pas de problème, on a beau avoir mis un policier, la ronde, elle a été faite, il s'est sauvé juste après la ronde, et le policier, il s'est fait avoir, il a laissé passer ce qu'il n'aurait pas du tout dû faire, hein, à quelqu'un qui a dit qu'il était un attendant. Il n'aurait pas du tout dû le faire parce que les attendants ne sortent pas non plus. Ils font la quatorzaine avec les personnes. Donc quand on a une quatorzaine, on a les personnes qui rentrent, en même temps les staffs du ministère de la Santé et les staffs des hôtels sont là, ils restent 14 jours dans l'hôtel avec les gens qui sont en quatorzaine, ils font les tests PCR à J7 et à J14, et si tout le monde est négatif, les staffs partent, mais ils ne partent pas au milieu de la quarantaine se promener en pleine ville. En ce qui s'agit de la quarantaine payante, donc c'est annoncé qu'il pourrait y avoir un nouvel établissement qui pourrait arriver. Donc en fait, pour un événement qui peut venir la semaine prochaine, la MTPA pour mettre en ligne deux guest houses qui pour un prix moins cher que 35 000 et pour 29 000 d'ailleurs. Et en ce qui s'agit de la gratuité de la quarantaine dans les centres récréatifs. Donc en fait, la gratuité. Au niveau des centres récréatifs où on les concerne mal patients qui soignés à l'étranger et qui au frais du gouvernement, ils concernent aussi un certain nombre de personnes qui en détresse et le ministère des Affaires étrangères peut toujours travailler la liste de requêtes qui est là. La semaine dernière, on s'est annoncé qu'il y a 105 requêtes et le ministère des Affaires étrangères peut essayer vraiment agir avec discernement pour connaître vraiment qui c'est qui une vraie personne en détresse par rapport à éventuellement si du monde qui pas vraiment en détresse. Oui. Donc, en fait, il y a un comité interministériel maintenant qui est installé depuis 15 jours et qui regroupe le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé et le ministère du Tourisme. Et tous les mercredis, donc, les demandes sont examinées
Et bien sûr, il y a les cas médicaux. Il y a certains cas médicaux peut-être qui sont allés dans le privé, mais qui sont là-bas depuis très très longtemps, qui ont été coincés. Il y a tous les gens qui sont partis avant le lockdown et qui sont restés coincés. Et après, il y a tous les autres cas que l'on vérifie sur dossier. C'est-à-dire, il y a des gens qui allèguent des choses. Par exemple, sur les cas médicaux, il y a des vrais cas médicaux. Puis il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Donc notre travail, c'est de vérifier avec des certificats, des choses comme ça, que c'est bien vrai, de vérifier si ils sont partis de leur plein gré pour, par exemple, des vacances, et ça, voilà, ils auraient dû prévoir, hein, ils savaient qu'il y avait des quarantaines, ou si c'est des cas qui sont coincés depuis longtemps. Donc on fait le plus justement possible. On étudie les cas à plusieurs personnes pour que ce soit le plus juste possible, que la subjectivité d'une seule personne ne soit pas en cause, mais que chacun analyse le plus justement possible. Et vraiment, et franchement, on essaye de faire sérieusement. Et de ces 105 demandes reçues, combien ont été approuvées? Alors, on a pu en traiter pratiquement déjà 80, donc sur lesquels nous avons statué. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés. Après, il faut qu'il y ait des vols, il faut qu'il y ait de la place au Recreation Center. Vous savez, c'est très complexe, hein, parce qu'il faut que plusieurs choses se combinent. Ces gens-là ne sont pas tous à Roissy, à côté de l'aéroport. Hein. Ils peuvent être dans différents pays d'Europe, ils peuvent être dans différents pays d'Afrique. Donc, c'est compliqué aussi pour eux. Hein. Donc, les dossiers ont été traités, c'est-à-dire on a dit oui ou non, voilà, pour la gratuité. Mais après, ils ne sont pas encore tous revenus. Et encore une fois, même si on a dit oui pour, mettons, je sais pas moi, X dizaines de personnes, il faut encore qu'il y ait de la place au Recreation Center. Vous voyez, donc ça va se faire au fur et à mesure et le mieux possible. Oui, en fait, il est tombé là juste tout à l'heure. Oui, oui, il est négatif. Le Stewart, il est revenu à Maurice, je crois que c'est le 31 ou le 1er novembre. Ce week-end, en tout cas. Une dernière question, si vous avez. Pas de question. Oui. En fait, moi, je fais update réservation, parce que tu es sur le même mois de Denis, donc... à ce jour, 4062 réservations, équivalent à 5324 personnes. Donc ce jour, 5 novembre, donc ça, pas de réservation, concerne la phase des vols commerciaux. Voilà. 58% mauriciens, 42% étrangers. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre attention, votre présence et... À bientôt pour une nouvelle presse briefing du National Communication Committee. Merci beaucoup. Merci.